être certain que tout le monde m'entend bien en principe. Xavier, tu confirmes que mon micro est actif hein Oui. Ok. Ouais, bah, ça marche. Super. Très bien. On va euh, pour ce, ce premier webinaire, euh, on, on va aborder euh, la question de, de proposer un accès à internet au, au public et euh, c'est à la fois une question qui nous revient souvent, notamment auprès des, des bibliothèques qui euh, veulent soit signer la charte, mais surtout pouvoir euh, postuler à un hein, des labels qui est euh, accolé à cette charte. Et souvent, on avait constaté que cet accès public à Internet, qui paraît a priori relativement simple, était souvent euh, source d'approximation ou de méconnaissance. On ne savait pas trop comment se positionner. Est-ce qu'on était plus ou moins dans les... Dans le, dans, dans le cadre légal ou pas. D'où l'idée euh, de, de faire cette, ce premier webinaire sur ce sujet-là, et qui est en fait aussi dans la démarche de la charte biblique, la première marche en fait. Hein, si vous voulez obtenir le premier niveau du label qui est assez simple à avoir, eh bien, la pierre angulaire de ce premier label, c'est cette question d'un accès à Internet public ouvert, euh, ouvert et fiable. On va euh, évidemment, comme le disait Xavier, je vous encourage à, à prendre la parole. Hein. On va faire ça simple hein. vous ouvrez le micro et vous nous dites pardon, j'ai une question une remarque. Et puis on, on interagit il faut que ça puisse aussi éclairer votre, euh, votre approche ou, ou peut-être ramener ça à, à, à ce que vous connaissez dans votre, dans votre équipement hein, pour que ça soit à la fois aussi assez pratico, euh, pratique pour vous. Moi, je Bien. serai le chat. Hein, donc, y en merci a merci beaucoup. N'hésitez pas. Voilà. Exactement. Alors, euh, on, on va partir euh, de l'article 6, euh, tout simplement, de la charte, euh, qui énonce le droit à chaque citoyen d'accéder à un Internet public ouvert et fiable. Et nous avions essayé de définir cette notion d'ouvert et fiable par une approche par la négative, c'est-à-dire de ne pas mettre de restrictions ou de contraintes à l'accès. Euh, à Internet, que ce, autre que ce que prévoit la loi, c'est ce que nous allons regarder, et que ce soit en termes d'identification des usagers, des restrictions de la bande passante ou encore de filtrage des contenus. En fait, on a les trois dimensions de, de ce qu'est un Internet ouvert et fiable, à la fois euh, euh, tout le monde peut y accéder, on ne réduit pas la bande passante et on ne filtre pas les contenus. C'était ce qu'énonçait la charte et c'est ce qu'on va essayer de, de creuser et de voir un tout petit peu quel est le cadre légal autour de, de ces questions. Vous dire que. Autour de l'accès public à Internet, euh, il y a euh, les sources du droit, c'est-à-dire que tout cela est, 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 est encadré par euh, plusieurs lois et réglementations. Je vous ai mis ici, sur la diapositive euh, les plus importantes auxquelles on va se référer, le Code des postes et des communications électroniques, le CPCE, le Code de la propriété intellectuelle, le Code pénal, la Loi pour une République numérique et puis le RGPD, bien évidemment. Et bien avoir en tête que euh, ce qui réglemente l'accès public à Internet s'applique aux fournisseurs d'accès Internet qui peut être orange, mais s'applique à tous ceux qui donnent un accès public à Internet. Et la bibliothèque municipale de Lyon euh, est concernée de la même manière qu'est concerné le MacDo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réglementation, on va dire, spécifique, je vais très vite là-dessus, bibliothèque, mais c'est tout simplement... Une réglementation qui s'applique à tous ceux qui donnent un accès public à Internet, et donc lorsque vous avez du, du Wi-Fi ou de, un accès à Internet dans un Starbucks, eh bien nous sommes soumis exactement aux mêmes règles. Euh, donc il n'y a pas de sorte d'exception qui serait donnée aux bibliothèques sur ce point. Alors on, on va essayer de répondre par plusieurs questions toutes simples pour que ça soit le plus euh, le plus concret euh, pour vous, euh, et souvent des questions. Parfois, on a un petit peu de mal à, à répondre quand on ne connaît pas exactement le, 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 le cadre légal. Euh, le premier, c'est est-ce que euh, on doit filtrer dans une bibliothèque euh, les accès à Internet, tout simplement. Euh, je rappelle. Pour revenir à la charte Bible libre, que le premier article énonce un principe qui n'est pas propre qu'à Internet, mais qui est propre aux bibliothèques, c'est-à-dire que tout ce que nous proposons dans les bibliothèques est en accès libre sans aucune discrimination euh, au nom du pluralisme et des droits culturels si on reprend la terminologie de la loi bibliothèque ou encore euh, celle que l'on peut lire dans le manifeste euh, pour les bibliothèques publiques de, de l'UNESCO et évidemment que euh, Internet étant un moyen d'accéder à cette diversité de l'information et des cultures est complètement encapsulé dans ce principe de base et c'est pour cela qu'on parle alors d'une neutralité de l'Internet, j'y reviendrai, c'est-à-dire qu'on n'a pas à filtrer l'accès à Internet. Je, je, je vois déjà peut-être des questionnements qui vont arriver, on est sur les principes généraux, on va voir quand même qu'il y a quelques éléments qu'il faut avoir en tête, mais que quand on rentre dans une bibliothèque, on doit avoir accès à Internet, point. Voilà, il n'y a pas de, de principe euh, autre que, que cela. Et du coup, il faut bien comprendre que nous n'avons... Aucune obligation légale de filtrer les accès à Internet. Et ça, c'est très, très important de l'avoir en tête. Et ce principe-là a été consacré notamment par la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 qui énonce ce qu'est la neutralité du Net. La neutralité du net s'applique donc à tous ceux qui fournissent et qui donnent un accès public à Internet. C'est-à-dire qu'on ne vient pas restreindre l'accès à Internet. On ne vient pas surveiller ce que vous faites euh, sur Internet. On ne va pas modifier les contenus qu'il y a sur Internet. On est bien d'accord. Et on n'essaie pas de dégrader l'accès à Internet pour vous dissuader d'aller euh, visiter tel ou tel site ou tel ou tel service. C'est des grands principes généraux. Et on énonce que Internet étant un droit, Seule euh, une décision, euh, on va dire, issue de, de la justice, par exemple, pourrait nous contraindre à ce droit. Et donc, la loi pour une république numérique de 2016 rappelle que les organisations qui proposent un accès à Internet ou qui fournissent un accès à Internet, euh, eh bien, euh, on leur demande de respecter la neutralité et donc il aurait interdit de réaliser toute restriction au contenu. Euh, consulter ou diffuser. Et la loi indique que malgré tout, il y a des exceptions. Et ces exceptions, euh, il y en a deux principales. La première, c'est que si nous donnons accès à des sites Internet qui seraient bourrés... De virus ou de malware qui pourraient mettre en difficulté euh, l'intégrité logicielle ou physique du matériel, nous avons le droit de ne pas donner accès à ces services-là ou à ces sites-là. Et les autres éléments, nous, pouvons, euh, nous devons empêcher l'accès à des sites euh, qui tomberaient sous le coup de la loi. Hormis ces deux cadres-là, il n'y a aucune raison d'aller filtrer l'accès. Et les contenus qui sont sur internet. Alors, quelles sont ces exceptions à la neutralité exigée par la loi Je ne vais pas vous faire le détail, mais ils sont très clairement définis par notamment le code pénal. Et en fait, dans une bibliothèque, mais exactement comme dans un McDonald's ou dans un hôtel on connecté à internet, nous ne devons pas donner accès à tout. Ces éléments-là ne devons pas permettre la consultation à ces éléments-là. Alors peut-être que si vous avez des questions sur purement technique, hein, c'est comment on fait pour empêcher l'accès à ces éléments, on verra que euh, nous avons soit à disposition euh, euh, des outils euh, qui nous permettent de gérer les accès publics à Internet, et souvent ces solutions-là ont une base qui est située à l'université de Toulouse, hein, qui est une blacklist qui est mise à jour. Euh, presque en temps réel, et qui ne permet pas d'accéder à ces contenus. Et de la même manière que le Code pénal nous rappelle que nous devons euh, évidemment protéger les mineurs et que de ce fait, tous les contenus à caractère violent, euh, pornographique ou qui pourraient porter atteinte à la dignité humaine, nous n'avons pas à donner accès à ces contenus, mais euh, c'est vrai aussi pour des contenus qui ne seraient pas sur Internet. Hein. C'est vrai pour tous les contenus que va proposer une, une, une bibliothèque. Et donc on voit bien que hormis euh, ces euh, deux cadres-là, si je reviens ra rapidement, eh bien en fait euh, aucune obligation d'aller filtrer les contenus, hormis ceux qui sont demandés par euh, par le, cadre, par le cadre légal. Ce qui veut donc dire que ça fait beaucoup de contenus euh, qui, sont, euh, qui sont proposés et on a souvent des fois des, des discussions dans des bibliothèques. On dit mais est-ce qu'on doit pouvoir donner accès à certains éléments de YouTube, est-ce qu'on doit permettre aux plus jeunes d'aller euh, écouter, je caricature un tout petit peu, mais écouter des, 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 des clips vidéo ou je ne sais quel autre contenu, ben, dans l'absolu, euh, du moment où euh, euh, cela ne rentre pas dans ce qui nous est obligé de, de restreindre, il n'y a aucune raison d'empêcher l'accès à ces contenus. Bien. Dire aussi que... On voit qu'on n'a aucune obligation légale de contraindre, hormis ce que nous demande le cadre légal, euh, nous devons informer, et ça c'est le Code des postes euh, et les communications électroniques et qui nous le demandent, l'utilisateur ou l'utilisatrice doit euh, être informé des restrictions d'accès. C'est-à-dire que nous devons faire publicité, cest du terme, dire que nous devons indiquer. Que euh, celui qui va aller sous nos postes, eh bien, euh, ce que je viens d'énoncer de manière très succincte et, et, et de manière euh, très simple, eh bien, euh, euh, on ne peut pas y accéder. Alors vous verrez qu'à la fin de la phrase, il est marqué On doit proposer aussi aux utilisateurs des moyens de protéger eux-mêmes leurs mineurs, mais ça, ce n'est pas nous directement à la bibliothèque, c'est pour un fournisseur d'accès comme Orange. Euh, si vous êtes abonné à Orange ou à SFR, souvent, on vous propose un outil de contrôle parental. Euh, parce qu'ils ont obligation de proposer un outil pour filtrer les contenus euh, qui est euh, qui tombent sous le coup de la loi. Donc nous en bibliothèque, on n'a pas à proposer ces outils, mais on peut tout à fait euh, sensibiliser les publics euh, autour de ces outils-là. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, nous avons un devoir d'informer, et on verra que. Le RGPD a réappuyé beaucoup cette question de la transparence euh, des, des restrictions et de ce que nous faisons avec les outils numériques. Donc, informer, c'est la moindre des choses. Intégrer bien que dès que nous informons, ça soulève des questions et donc, il faut quand même s'interroger sur notre capacité à répondre aux questions pourront euh, soulever les usagers lorsqu'ils voient une affiche qui dit qu il y a des restrictions possibles et là on voit bien que il faut aussi euh, en termes de d'accueil au public et de services au public euh, intégrer qu'il y a une réponse aussi à élaborer auprès auprès des publics est-ce qu'il y a des Autre... questions du coup à ce stade Oui, c'est ce que j'allais dire en plus ah oh bah c'est <laughs> C'est sur ce point-là. Est-ce que c'est clair Est-ce qu'il y a déjà des cas de figure que vous peut-être que vous euh, pointez dans votre bibliothèque Ou euh, euh, le cadre légal ne nous dit pas que c'est facile à faire. Hein On est bien d'accord. Hein Mais euh, en tous les cas, c'est ce périmètre-là qui nous est proposé. Pas pour l'instant de, de retour. Ok. Super. Il y en a quelqu'un qui le sait clair. Merci. Merci bien vous dire enfin que oui mais bah alors si jamais les gens vont voir un, un, un site internet qui dit que la terre est plate par exemple euh, ou euh, qui parle des euh, de, je sais pas, des faits secondaires de certains médicaments et qui est très contestable, il ne faut pas oublier et, et là-dessus le CPCE nous le rappelle nous n'avons aucune responsabilité, des contenus disponibles sur Internet. Parce que quelquefois, des collègues euh, ont une vision très maximaliste de leurs responsabilités et pensent que euh, si on donne accès à un site qui dit que la Terre est plate, je fais exprès un exemple qui est quand même très ambigu, euh, on n'est pas responsable des contenus. On est bien d'accord, hein on ne peut pas nous tenir responsables de, de, des contenus de cet ouvrage. Euh, pardon, vous voyez le vieux bibliothécaire qui parle de cet ouvrage, de ce site euh, Internet en question. C'est important de se le dire, on, on, on le, je pense qu'on le devine assez facilement, mais quelquefois, c'est bon de le rappeler, de dire qu'on n'est on, on pas responsable des contenus. Que, qui est diffusé par Internet, nous serions responsables de donner accès qu au contenu qui tomberait sous le coup de la loi. Voyez Mais on est parfois sur des sujets très, très, très limites, très ambigus exprès de prendre les théories platistes ou complotistes, qui pourraient effectivement, on pourrait tout à fait maîtriser l'accès à ces contenus avec une collection physique, parce que politique d'acquisition et tout ce qui va avec, et Internet, du moment où on prend comme principe de base qu'on ne doit pas filtrer au-delà de ce que prévoit la loi les contenus, des fois on flirte avec des sujets qui pourraient être portés caution, en tout cas qui pourraient pourrait choquer peut-être des, des personnes qui viennent euh, sur la bibliothèque. Donc, Disons que tant que ce n'est pas interdit, parce qu'on peut aussi trouver des contenus as, euh, enfin, qui seront euh, limites en termes de propagande aussi, euh, soit euh, idéologique, soit euh, religieuse, et tant que ce n'est pas interdit, euh, ce n'est pas notre rôle de... C'est exactement de ça. Et, et, et on peut comprendre que, justement... Euh, quand on est sur des choses très simples, c'est évident. Et dès qu'on arrive sur les zones un tout petit peu floues, euh, et quand on a des contextes et une actualité aussi euh, euh, qui exacerbent complètement ces questions-là, euh, on peut effectivement euh, se sentir pas toujours très à l'aise avec, euh, avec ces contenus-là. Mais il faut toujours revenir à, au cadre légal, hein, de se dire voilà ce que le, le, ba, le, le périmètre dans lequel on, on, peut, on peut agir. Bien. Euh... Voilà pour les contenus, c'est assez simple. On ne filtre pas les contenus. La neutralité du Web, c'est donner accès à tout ce qui est disponible sur le Web, sauf à tout ce qui tomberait sous, euh, le, cas, euh, sous le cadre de la loi euh, et la protection des mineurs. Voilà. Euh, donc c'est relativement simple d'un point de vue purement objectif. Ça peut devenir un peu complexe dès qu'on arrive sur des sujets qui sont plus, plus, plus ambigus. Pour aller très très vite là-dessus. Bien. C'est important aussi d'avoir bien en tête hein, ce cadre légal parce que quelquefois on peut avoir des discussions avec sa tutelle euh, sur ces sujets-là. D'autant quand l'actualité est, est, est assez euh, forte comme actuellement, c'est important de rappeler que nous, techniciens, professionnels de l'information, ce n'est pas nous d'un professionnel de l'information, on doit être au jus de ça, qu'on puisse donner voilà le cadre légal. Maintenant, si vous, le tutelle, vous nous dites, moi, je ne veux pas que dans la bibliothèque, il y ait ceci ou cela, eh c'est une responsabilité que prend votre tutelle. Hein. Euh, vous, vous avez fait votre travail, dénoncer le cadre, le cadre légal. Euh, voilà, on est, on est bien d'accord là-dessus. Bien. Si on arrive maintenant sur une deuxième question, qui n'est moins celle des contenus, mais qui est d'autant plus importante, qui est celle des données. Euh, C'est-à-dire, quelles, quelles données les, la bibliothèque doit-elle conserver Toutes les données qui sont, lorsque quelqu'un vient se connecter à Internet, quelles sont les données qui doivent, qu doivent utiliser Là aussi, euh, c'est relativement clair, c'est encore le CPCE. Alors là, euh, je vous ai donné l'article précis parce que souvent, c'est des questions qui sont poser, et souvent on a une approche très maximaliste de cette question-là, euh, une bibliothèque, mais en fait euh, un Starbucks café, euh, c'est la même chose. Un hôtel. Euh, ou un hôtel, bien évidemment. Je n'ai aucune oui. relative chez Starbucks. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est que j'ai 100 <laughs> tête maintenant, il y en a pour que la fin de la journée, mais ce n'est pas grave. Euh, ou un hôtel, ou peu importe, ou une galerie marchande, euh, pour être encore plus... Ou un Wi-Fi public euh, qui est proposé euh, sur une place euh, dans un village. Euh nous sommes la seule obligation que nous avons c'est la conservation des données relatives au trafic je vais vous expliquer de quoi il s'agit euh, c'est des données qui sont euh, purement techniques en fait alors les données relatives au trafic qu'est-ce que c'est c'est la Noter la date, l'heure et la durée de la connexion. Euh, ça a commencé à telle heure, ça a fini à telle heure. C'est la possibilité, de, enfin c'est l'obligation pardon, d'avoir euh, ce qu'on appelle l'adresse IP. Hein, c'est le protocole de connexion à Internet. Euh, euh, qui euh, a une adresse IP hein, 192.168 et puis tout ce qui va derrière l'adresse MAC l'adresse MAC en fait ce sont les immatriculations entre guillemets matériels qui permettent d'identifier le matériel qui a été utilisé on demande aussi à ce que les caractéristiques techniques soit enregistré alors ça c'est ça paraît surprenant mais ça peut être la, la capacité de la mémoire de l'appareil le système d'exploitation que va utiliser l'ordinateur le logiciel le navigateur sur lequel est sa version qui a été utilisée etc etc alors pourquoi euh, ces données de trafic eh bien, parce que tout simplement si jamais il y a une enquête pour euh, je ne sais quelle Raison et qu'on a constaté que la contravention ou les délits a été effectué à telle heure, tel jour euh, et apparemment euh, via cette adresse MAC ou etc. Et en fait, vous devez venir donner la confirmation ou infirmer que euh, c'était bien à tel endroit, cette, euh, telle connexion. Voilà. Si vous dites que tel jour à telle heure c'était telle adresse IP, etc. et que ça correspond. Ça corrobore pas les éléments de l'enquête, et eh bien c'est ce que nous demande le cadre légal et nous devons conserver ces informations pendant un an, un an anniversaire. Et c'est pas simple, c'est-à-dire à la date de la connexion pendant une année. Hop et ça doit être mis durant ces éléments-là. Voilà, c'est ce que je viens d'indiquer ici et vous avez bien compris que nous avons une interdiction absolue de diffuser euh, ces, cette information, hormis dans le cas d'une procédure judiciaire ou par l'ARCOM, hein, qui euh, est le gendarme en fait de, de la communication sur le, le net. C'est l'enseignement Adopi notamment. Et quelqu'un qui sera allé, euh, je dis n'importe quoi, télécharger illégalement quelque chose euh, sur un des postes de la bibliothèque, je dis un peu n'importe quoi, eh bien, il faut remonter et il vient chercher des confirmations auprès de, cette, de, cette, de ces éléments-là. Bien, la loi ne nous dit pas comment on doit collecter ces données. C'est à nous de nous débrouiller. Euh, et donc, vous voyez bien que le petit cahier ou le fichier Excel, on peut autant noter l'heure, euh, l'horaire de début, l'horaire de fin, mais tous les éléments purement techniques, adresse IP, adresse MAC euh, et les versions des logiciels, là, on a besoin en fait hein, d'une solution pour pouvoir, euh, pour pouvoir enregistrer ces données. Je le rappelle, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Nous avons obligation de les avoir, euh, et évidemment que nous n'avons aucune obligation de collecter les données identifiant les personnes. Alors quand on dit une donnée personnelle, hein, quand on dit une donnée personnelle, soit elle est directe, c'est -dire euh, Lionel Dujol, voilà, et donc euh, c'est où. Ça peut être indirect, c'est-à-dire c'est 466, qui est un numéro d'utilisateur ou d'abonné, et derrière ce numéro est rattaché un nom ou un prénom ou, ou, ou quoi que ce soit. En tous les cas, le cadre légal nous dit très clairement, nous avons obligation d'enregistrer les données de trafic, il ne nous est pas demandé d'enregistrer les données personnelles, le nom, le prénom, pour être très, très clair. Grosso modo, dans le cas d'une enquête, on, on, on nous demande des données de trafic, on les a, c'est super. On nous demanderait le nom et le prénom, on ne les a pas, on ne peut strictement rien nous dire. Inversement, c'est un problème. Quand on est capable de dire c'est M. Dupont euh, qui est venu et on est incapable de donner les données de trafic, eh bien on est mal. Parce qu'en fait, on pourrait tout à, tout à fait imaginer que. Les avocats des, de la partie en, en face pourraient tout à fait se retourner contre nous pour euh, tout simplement faire un vice de forme pour la procédure judiciaire en disant ben, d'où vous avez le nom et le prénom euh, de, cette, de cette personne Donc, Ça n'empêche une usurpation d'identité aussi, un vol de données. Exactement. Et ça, ouais. c'est très, très important. Et encore une fois, euh, je, je, la personne peut dire je m'appelle, euh, euh, je ne sais pas moi, je m'appelle. Euh, 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 Georges Clooney, euh, voilà. Dans l'absolu, on n'a pas empêché Georges Clooney, à, même si on voit bien que celui qu'on a en face de nous, c'est pas vraiment Georges Clooney, de l'empêcher de se connecter à Internet. Nous n'avons pas, hein, c'est la responsabilité de celui qui nous donnerait son nom, qui est engagé, et pas la nôtre, hein, pour aller là-dedans. Mais une petite subtilité, malgré tout juridique. Absence d'obligation ne veut pas dire interdiction. Hein, c'est subtil. Je vais vous expliquer. C'est parce qu'on n'est pas obligé. Que c'est interdit. Vous voyez, c'est un peu subtil. Donc, je, nous savons et on voit des fois des cas de, de, de bibliothèques qui postulent pour la charte Bible libre que on voit bien que des fois le nom et le prénom est, est, est noté ou qu'un numéro euh, d'abonné ou quoi que ce soit est, est, est indiqué. Alors, euh, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce n'est pas interdit, sauf que si vous le faites, vous devez être en totale conformité avec le RGPD. Et donc, ça vous rajoute des obligations supplémentaires. Hein, et euh, de ce fait, euh, si vous prenez le nom et le pronom de la personne et que vous, netez, vous le notez sur un fichier Excel ou sur un cahier, euh, tout simplement un cahier papier, euh, bah, ce nom, ce prénom, euh, bah, il faut que vous soyez en conformité avec le RGPD. Et là, il faut connaître ce que nous dit le RGPD, c'est-à-dire que vous devez avoir le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque, c'est tout le langage du RGPD du traitement, ça veut dire que vous devez très clairement indiquer pourquoi vous voulez le nom et le prénom de cette personne pour aller sur Internet. Et déjà, rien que ça, vous êtes très fragile. Euh, pourquoi avoir le nom et le prénom de cette personne alors que ce n'est pas obligatoire euh, Et on, déjà, on voit bien qu'on est dans une forme d'impasse parce que comment on va pouvoir justifier pour qu'il nous donne son consentement éclairé Ça, c'est le premier élément. Et euh, comme ce n'est pas une obligation, il peut ne pas vous le donner. Et donc, qu'est-ce que vous faites Pas d'accès à Internet, donc si vous ne donnez pas votre nom, votre prénom, mais on ne peut pas conditionner l'accès à ce qui est disponible dans une bibliothèque à la, à la présentation d'une identité. Je ne parle pas de l'abonnement. Hein, je parle de l'accès. Hein, C'est comme si quelqu'un qui voudrait feuilleter un journal dans la bibliothèque, juste le feuilleter, on lui dit vous ne donnez pas votre nom votre prénom, ben vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Voyez, Donc on voit bien que même si je vais être en conformité avec le RGPD, le simple principe de pouvoir tout simplement éclairer le consentement de la personne, on est déjà un peu dans, on pédale un peu dans la semoule pour pouvoir, pour pouvoir expliquer. Mais admettons on a un consentement libre et éclairé. Quand on dit consentement libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chantage. C'est-à-dire que le consentement libre, c'est-à-dire que si vous dites non, alors il n'y a pas. Oui, C'est ça qui est important à indiquer. Hein, c'est-à-dire que vous êtes abonné à la bibliothèque, vous n'êtes pas obligatoirement abonné à la newsletter. Hein, y a, y a, c est, c est, vous avez la liberté de choix. Et puis, euh, le principe de finalité, bah, c'est tout simplement euh, ce que je viens de vous indiquer, puisque tout ça est lié, c'est pourquoi j'ai besoin de votre nom et de votre prénom. Euh, et donc là-dessus, et vous pourriez peut-être dire que le logiciel que l'on a, ce qui est à mon avis pas le cas, ou parce que euh, la règle qu'on a mis en place, euh, voilà, il faut que vous puissiez expliquer, qui est très important, et le principe de minimisation, euh, c'est un principe qui est on ne récolte que les données qui sont strictement nécessaires à la réalisation du service. Et là aussi, c'est quand même un petit peu tendancieux autour de ces, de ces questions-là. Donc, on voit bien que qu'on n'a pas obligation à collecter le nom, le prénom ou la donnée personnelle. Ça ne nous interdit pas de le faire, mais le RGPD est venu renforcer finalement cette idée de non-obligation de captation de la donnée personnelle, puisqu'on voit bien qu'on est un peu. Euh, voilà, on va chercher un petit peu les fonds de tiroir pour essayer d'expliquer pourquoi il faut le nom et le prénom ou euh, un autre élément qui est, qui est, qui est derrière. D'un exemple tout bête. Hein Dans mon réseau, pour se connecter à Internet, il faut avoir une carte de, une carte de, de consultant, puisque c'est notre solution technique qui fait ça. OK. Donc, pour avoir un numéro de consultant, en fait, bah, les collègues demandent un nom et un prénom. Bien. Là-dessus, on a énormément discuté. Euh, vous voyez comme quand on n'est pas toujours. Euh, euh, ce n'est pas les coordonnées qui sont les mieux et les mieux chaussées, mais euh, il était soumis à des cartes d'identité et on leur a dit mais non, ce n'était pas possible. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que la personne ait un, une, une, un, un numéro d'abonné, enfin un numéro pour se connecter à Internet, mais ce numéro pour accéder à Internet n'est pas conditionné à la vérification de l'identité de la personne. Donc vous dites ce monsieur, il veut, il veut passer à Internet, vous vous appelez comment je m'appelle Georges Clunet, pas de problème. Georges Clunet aura son numéro d'abonné, ce qui montre l'absurdité hein, de la procédure euh, qui fait. En fait, si on avait un Internet complètement ouvert, ce serait bien plus simple que de se mettre des trucs un petit peu, un petit peu tordus. Voilà. Donc, euh, bien comprendre le fond de cette euh, de cette problématique. Est-ce que vous avez des questions Parce que c'est souvent des sujets qui posent, euh, qui, qui interrogent beaucoup, ou des cas de figure dans vos bibliothèques. Oui, ouais, je viens de voir. Alors, euh, dans l'absolu, il euh, y a pas, dans l'absolu, techniquement, la question, c'est que est-ce que l'accès à Internet est conditionné à être abonné à la bibliothèque C'est une première question. Si c'est le cas, ben, en fait, euh, c'est déjà un problème parce qu'on ne doit pas conditionner l'accès à Internet dans une bibliothèque au fait d'être un abonné de la bibliothèque. Mais ça, why not? Si jamais c'est le cas, enfin, en tout cas, si c'est la base SIGB qui vient donner les droits d'accéder à un Internet, est-ce que la personne qui a donné son consentement pour être inscrit à la bibliothèque a donné aussi son consentement pour l'accès à la bibliothèque Et si ce n'est pas un abonné à la bibliothèque, un usager, comment il va accéder à Internet à la bibliothèque Rappelons qu'on ne peut pas restreindre l'accès à Internet à une personne et, ou la conditionner au fait qu'elle soit abonnée si vous reliez l'abonné le consultant au fait qu'il soit un abonné ce qui est une vision très restrictive l'essentiel c'est que le consentement éclairé est-il il faut qu'il soit documenté hein, maintenant le, docu le, le consentement hein, est-ce que le consentement est bien de, euh, éclairé et, 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 et univoque donc ça veut dire qu'il quand tu dis documenté, il faut qu'il y ait un formulaire, papier. Signé, oui, ou... parce que jusqu'à, on va dire, l'année dernière, euh, oui c'est ça, jusqu'en 2022, ce n'était pas demandé d'être documenté. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était parole contre parole, en fait, dans certains cas. Donc, mmh. euh, on, on a amendé et on a indiqué qu'il faut que ça soit documenté, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le sentiment qu'on a utilisé ses données personnelles de manière abusive, cest qu'il a le sentiment qu'on ne lui a pas demandé son consentement, peut le signaler à la CNIL. Et la CNIL viendra auprès de la collectivité, et notamment pas auprès de vous, mais du DPO ou du DPD. Hein, C'est celui qui est délégué au sein de la collectivité pour la gestion des données personnelles. Et on vous demandera bah, de, de montrer le consentement éclairé. Et là, euh, et en principe, euh, euh, il y a ce qu'on appelle... Euh, on, 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 il y a un rapport de confiance plutôt vis-à-vis -vis de l'usager. C'est-à-dire que comme le RGPD, c'est remettre le citoyen au centre et de la maîtrise de ces données, on va plutôt aller en faveur de celui qui pense que ces données n'ont pas été utilisées. Alors, François, pas pour toutes les données personnelles des sites web, il n'y a pas de formulaire papier. Les... Attention collecte de données personnelles. Hein. C'est-à-dire que euh, le RGPD parle quand vous collectez, c'est-à-dire que vous enregistrez des données personnelles euh, pour pouvoir utiliser un service. Je peux aller sur le site internet de la bibliothèque, je n'ai pas connecté. Si je suis allé visiter le site de votre bibliothèque, vous n'avez rien collecté de mes données personnelles. On est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire mon nom, mon prénom, quoi que ce soit. Par contre, votre fournisseur euh, de site web a dû vous demander, a, a dû me demander si j'étais d'accord pour utiliser les cookies ou, ou la totalité des cookies ou une partie des cookies. Parce qu'on va considérer que les cookies, c'est une manière indirecte de remonter aussi vers moi. Donc on voit bien que si je suis allé sur votre site Internet euh, et je, je ne me suis jamais identifié, parce que je n'ai pas besoin d'être identifié, malgré tout, on m'a demandé si j'acceptais ou pas que les cookies soient enregistrées. Et du moment où j'ai dit oui, j'ai donné un consentement qui est censé être éclairé puisque je peux aller voir le détail, ce que peu font finalement, euh, d'aller là-dessus. Donc on voit que la donnée personnelle, ce n'est pas simplement que le nom, le prénom, mais c'est aussi euh, toutes les données euh, de connexion pour le coup qui pourraient me permettre de, bah, de me filtrer, hein, de me suivre euh, qui sont derrière. Alors, je, on continue avec François. Vous pouvez prendre la parole François, hein, si vous voulez, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Si je me crée un compte sur une plateforme web, j'ai transmis des données personnelles sans avoir signé de document papier. Non, c'est-à-dire que euh, documenter ne veut pas forcément dire papier. On est d'accord. <laughs> OK, François. Un documenter ne veut pas forcément dire euh, euh, papier. Quand vous allez créer une plateforme, c'est bien pour ça qu'il euh, y a une nouvelle réglementation qui est rentrée en cours, qui est le DSA. Hein, le, le, je viens de bouffer le nom de. de Service. Merci, merci, merci. Euh, vous avez peut-être vu euh, pour ceux qui utilisent encore Meta que depuis euh, quelques jours on vous demande si vous voulez continuer à avoir la version gratuite ou si vous voulez avoir la version payante qui est dissuasive hein, en fait qui vous pousse à. Eh bien en fait quand vous dites je suis d'accord pour continuer pour la version gratuite vous avez peut-être remarqué si vous voulez qu'il y a tout le détail de ce qu'on fait de vos données. Vous cochez je suis d'accord. Ce cocher d'accord signifie le consentement et eux, méta derrière, captent ce consentement de cocher et ils pourront le communiquer à la CNIL si jamais on leur demande de pouvoir le documenter. Donc documenter ne veut pas dire papier, mais veut dire dispositif qui permet de démontrer qu'on a eu le consentement. Oh si c'est moi qui induis à cette question du formulaire papier, c'est que sauf si les personnes s'inscrivent directement sur le site internet de la bibliothèque, il faut bien quand même que le bibliothécaire lui ait une trace. Voilà. utiliser ces paroles contre paroles, qu'il est signé qu'il était éclairé qu'il est d'accord avec telle utilisation de ces données voilà Alors, dans ce cas là le formulaire papier sauf s'ils s'inscrit directement sur le site de la bibliothèque quoi. le formulaire papier c'est le techniquement le plus simple évidemment voilà. évidemment vous dites euh, j'accepte que voilà c'est c'est le plus simple avant avant 2022 et j'ai vu que ouais. Jean-Marie je vais regarder ce que vous indiquez Jean-Marie euh, on disait que le simple fait d'en faire publicité, de le dire verbalement, j'ai besoin de vos données pour suffiser. Et en fait, les problèmes ne venaient pas du monde des bibliothèques, ils hein, venaient dans d'autres secteurs qui brassent beaucoup plus de données que nous, mais au moins on a demandé à ce que soit documenté là-dessus. Jean-Marie, euh, euh, pourquoi le fait de soumettre l'accès au Wi-Fi au poste public du bibliothèque à l'abonnement serait-il anormal par principe au regard du droit français européen euh, Alors, Reprenons le point de départ. L'accès à l'information, au savoir et au loisir, globalement, on est bien d'accord, est inscrit dans la Constitution. C'est un droit fondamental. On ne peut pas empêcher quelqu'un, en France en tous les cas, d'accéder au savoir, à l'information et à ses loisirs. C'est le principe de base. Okay. C'est pour ça que toutes les bibliothèques sont libres, gratuitement accessibles. N'importe hein qui peut rentrer dans une bibliothèque. Peut s'asseoir, feuilleter un livre, euh, regarder euh, s'il le souhaite, euh, peut-être un film ou quoi que ce soit, si c'est proposé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher l'accès à une bibliothèque parce que l'accès au savoir et à l'information est un droit fondamental. Évidemment qu'Internet est encapsulé dans ce droit fondamental. Aujourd'hui, pour accéder au savoir et à l'information, le Web est un moyen d'y accéder. Et donc, L'idée, c'est de dire que n'importe qui qui rentre dans une bibliothèque doit pouvoir accéder au savoir et à l'information, qu'il soit sur des supports tangibles ou qu'il soit sur le web. C'est pour cela qu'on ne peut pas, dans l'absolu, conditionner l'accès à Internet à être abonné à la bibliothèque. Exclusivement, parce que n'importe qui doit pouvoir accéder au web sans avoir à justifier quoi que ce soit d'accéder sur le web. Euh, C'est pour ça que ça devient problématique quand on dit que seuls les inscrits de la bibliothèque ou les pardon, seuls les abonnés, hein, j'insiste sur le mot d'abonnés, le seul les abonnés accèdent au, à Internet. Ça a été ça il y a une quinzaine d'années. Euh, beaucoup de bibliothèques, il y a 15 ans, peut-être même 20 ans, parce qu'on vieillit malheureusement, euh, en fait, c'était les abonnés qui avaient accès à, la, à, à Internet. Sauf que ça rentrait en totale contradiction avec le libre accès à l'information dans les euh, bibliothèques. Et Internet euh, n'est pas une exception à cette règle. Donc, c'est pour cela que quand on est dans une bibliothèque, on doit pouvoir proposer l'accès à Internet à n'importe qui. Et donc, si on. On... Et donc, on comprend la cohérence de tout ça. D'où nous n'avons pas obligation de collecter les données personnelles de la personne qui va se connecter à Internet, puisque euh, on ne les demande pas pour aller feuilleter le journal ou pour aller feuilleter une BD dans la bibliothèque. Bien. Ensuite, euh... oui, 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 évidemment, euh, pour les mineurs, nous, alors pour les mineurs notre exigence n'est pas l'autorisation la, parentale, mais elle, elle doit y être, c'est la protection des mineurs, qui est vraiment imposée pour nous. Hein, c'est vraiment cela. Parce que moi, j'ai travaillé pendant dix ans, il y a bien longtemps, dans un quartier, dans une bibliothèque de quartier. Euh, je peux vous dire que le consentement parental, euh, ben, il, fallait lever, il fallait se lever tôt pour, pour l'avoir. Pourtant, il y avait euh, 40 gamins dans la bibliothèque. Donc, nous, notre enjeu était la protection de ces mineurs sur leur accès à Internet. Alors, plein de questions. Je vais essayer de suivre. De de, alors, est-ce que déjà, ce que je viens de vous dire, euh, ça a répondu, a répondu à vos interrogations Sylvain, okay. merci. OK, ça marche. Euh, quand les sessions internet anonymes sont disponibles sur simple demande, est-ce suffisant pour maintenir cet accès libre Alors, euh, qu'entendez-vous sessions anonymes C'est-à-dire qu'on ne s'est pas identifié. C'est ça, hein, euh, Laura Euh, oui. Ok. Euh, alors, quand les sessions à Internet sont anonymes, sont disponibles sur simple demande, est-ce suffisant pour maintenir cet accès libre euh, oui. Et même, ça devrait même pas être. À... Euh, en principe, idéalement, euh, les consultations, les sessions d'Internet dans une bibliothèque euh, devraient être anonymisées, devraient être anonymes on est bien d'accord, comme, encore une fois, je fais le parallèle, même si les contraintes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais quelqu'un qui vient lire le journal à la bibliothèque, c'est totalement anonyme. On n'a absolument aucune trace de la personne qui est venue feuilleter, juste s'asseoir et lire pour repartir. C'est à peu près la, même, la, même, la même, le même esprit, sachant que nous, on a à conserver la donnée de, de trafic, de, de connexion qui est là derrière. Est-ce que c'était cela ce que vous voulez pointer, Laura Vraiment, bon, oui. Okay. Moi, je voulais juste dire, de euh, toute façon, on a vu cette évolution aussi pour les acteurs privés, puisque euh, à un moment donné, on devait mettre notre adresse mail pour avoir accès à Internet. Et euh, maintenant, mm. dans le train, ou même euh, dans les hôtels de plus en plus, euh, et puis euh, dans les supermarchés, comme tu disais, les centres commerciaux, simplement, on, dit, on confirme, mais on ne donne aucune information personnelle. On dit qu'on accepte les conditions générales qu'on ne va pas prendre le temps de lire mais on ne donne pas notre, notre nom et notre mail ou quelques informations pour avoir accès à Internet. Donc ça aussi, c'est imposé aux acteurs privés, cette, cette liberté d'accès à Internet. Exactement, et cette liberté d'accès à Internet, hein, qui a été très fortement défendue par euh, l'Union européenne, hein, je fais juste une incise et je répondrai à vos questions. Hein, vous savez qu'il y a des enjeux de gouvernance de, de l'Internet à l'échelle planétaire. On voit bien que l'Amérique du Nord défend un Internet au service de l'économie. On voit plutôt que le bloc asiatique russe défend un Internet au service d'une idéologie. Et euh, on voit que le bloc européen, lui, défend un Internet au service du citoyen. Donc, ils sont très, 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 très attentifs là-dessus. Et ils veulent imposer, par le cadre légal, le libre accès à Internet anonymisé, sans aucune condition pour pouvoir accéder à Internet. Et on voit bien qu'aujourd'hui, entre le RGPD et le DSA, euh, on est en train d'arriver de plus en plus là-dessus. Et on va se trouver, nous, bibliothèque, qui est quand même, euh, n'oublions jamais qu'on qu qu défend euh, le pluralisme, la diversité, le libre accès, euh, maillon essentiel de la démocratie. Euh, ça ne devrait pas nous poser un problème, euh, ce principe-là. Euh, Qu'en est-il sur la limitation de durée de l'accès à Internet Là-dessus, pas de souci. Vous pouvez tout à fait conditionner l'accès Internet à une heure, deux heures, pour des raisons de service, comme on va conditionner le prêt d'un ouvrage de quatre à trois, quatre semaines, pour permettre à chacun d'avoir un temps pour pouvoir utiliser cet outil-là. Il n'y a aucune, aucun, aucun problème. Il y avait une euh, question de sophie Pascal, là, sur une personne qui a demandé à pouvoir utiliser le téléphone de la bibliothèque pour une démarche administrative, Peut-on considérer que l'accès au téléphone, j'imagine pour téléphoner, là. Est aussi un droit fondamental. Non. D'accord. Non, non. La, la bah, télé. Alors, sauf si on parle de la 4G, l'accéder au, 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 au Internet par le. Mais c'est pas cela. L'usage d'un téléphone, c'est comme la photocopie. L'usage de la photocopie n'est pas un droit. Euh, c'est un service. Vous voyez, il y a une petite subtilité. Euh, alors, vous pouvez rendre ce service. Il n'y a pas ouais. de souci, mais on ne peut pas arguer, c'est un droit, vous devez okay. me donner accès à, euh, à okay. un téléphone. Je vous dis ça parce que euh, j'ai eu des cas de figure de personnes qui venaient, qui demandaient si on pouvait effectivement leur prêter un téléphone ouais. euh, pour pouvoir passer des personnes qui n'avaient pas d'abonnement euh, de téléphonie, si on pouvait leur prêter un téléphone pour passer un coup de fil euh, à une administration. Je pense que c'est ce à quoi vous faites, euh, faites état. Non, pas okay. non. Enfin, vous ouais, pouvez ça faire ça. Ouais. Allez, voilà. Euh, euh, qu Est-ce qu'il est y a, qu il y a une des, des questions ouais. Alors, j'essaie de remonter un peu le fil et je regarde si j'en ai oublié. La connexion de non-inscrits qui veulent acheter et utiliser un forfait d'impression. Nécessité de garder des traces si la personne veut terminer. Euh, OK. Oui. Euh, encore une fois. On ne dit pas que ce n'est pas euh, autorisé, c'est que ce n'est pas interdit. C'est-à-dire que pour des raisons de service, utilisation de sessions, de retrouver un environnement informatique sur mon poste internet avec les, mes documents que j'ai pu avoir, c'est les sessions, ce que vous évoquez là. Là, pour des raisons de service, vous pouvez tout à fait justifier euh, d'avoir euh, le nom, le prénom de la personne, mais le justifier du moment où c'est éclairé et c'est consenti. Mais encore une fois, je peux tout à fait avoir une session auxquelles je reviens tous les jours en m'appelant Georges Clounet. Vous voyez bien que euh, ce qui est important, c'est est-ce que je, la personne a bien l'identifiant qui lui permettra de rentrer dans sa session, mais cet identifiant-là n'est pas conditionné au fait qu'il soit... Vous comprenez que je c'est dans le théorique hein, ce que je suis en train de vous dire, hein, mais n'est pas conditionné au fait que le nom et le prénom qu'il m'a donné, c'est bien la personne. Ce qui est important, c'est qu'il va devoir donner un identifiant et un mot de passe. C'est ce qui va garantir la confidentialité de la session sur laquelle il va arriver. Mais en fait, il peut tout à fait dire, je m'appelle euh, Père Noël. Hein. Euh, alors, si c'est... Vous enfin, encore une fois, je, je fais exprès de prendre un exemple qui est un peu évident. Mais il ne faut pas croire que ne pas capter les données. C'est pour ça que j'ai insisté en disant que ce n'est pas une obligation, mais ça ne nous l'interdit pas du moment où c'est justifié. Dans l'absolu, mais le nom et le prénom pour avoir une session régulière sous la bibliothèque, en fait, on s'aperçoit que ce qui est important, c'est un identifiant et un mot de passe qui n'est pas toujours obligé d'être associé à un nom et un prénom, même si le logiciel va le vouloir. Et puis du coup, ça implique le RGPD. Donc le RGPD, pardon. Du coup, ça rajoute une contrainte, comme tu disais. Exactement. Mais encore une fois, vous le faites, il n'y a aucun problème. Vous prenez le nom de prénom de la personne pour qu'elle puisse avoir ses sessions. Du moment où vous êtes dans les clous du RGPD. Le RGPD ne nous dit pas du tout, vous n'avez pas le droit. Vous allez dire, est-ce que c'est bien balisé C'est tout. Euh, qui est -ce est que ça correspond bien à la finalité, etc. Exactement. OK. okay. Euh, ça marche. Bon. Euh, je ne sais pas du tout si. C'est une Alors, qui vient d'arriver. Oui, ça marche. Alors, quid de l'anonymat quand on a un utilisateur qui arrive à contourner de manière récurrente les bloqueurs de sites internet pour regarder des vidéos à caractère sexuel Eh oui. Nous avons eu le cas d'un usager qui a été interdit d'utilisation des postes informatiques pendant un mois dans les bibliothèques après plusieurs rappels euros. Eh bien, c'est ça. En fait, euh, hein, vous rappelez que je vais exagérer un tout petit peu, mais les sites pornographiques ne sont pas euh, interdits. Alors, je mets des guillemets, hein, on est d'accord. Hein. Euh, mais au mineur, enfin, aux au majeur. Pardon. Voilà, au majeur. Mais en fait, ouais. tu devances ce que j'allais dire. Mais comme nous sommes un lieu public et donc des mineurs viennent dans une bibliothèque, nous ne devons pas, enfin vous l'avez bien compris, donner accès aux sites de, de ce genre-là. Là, il n'y a pas de dispositif. Alors, si vous pouvez avoir des dispositifs techniques qui empêchent l'accès, vous venez de dire qu'il a été contourné. Eh bien, là, c'est le travail du bibliothécaire qui est là pour garantir le vivre ensemble et la règle du vivre ensemble. Et donc, vous l'avez euh, euh, interdit d'accès au poste informatique. Ben voilà, c'est la seule solution. Euh, euh, c'est en lien avec le règlement de la bibliothèque, j'imagine. Évidemment. Hein, oui. Vous savez qu'il faut que votre règlement, enfin, euh, euh, ce que vous prenez comme décision, soit, fasse bien écho à une règle. Hein. Voilà, mmh. ben voilà, là il n'y a pas de mystère. Vous savez, la, les, mm, les contrôles techniques, les paramétrages techniques, ça a ses limites. Il hein y a toujours des petits malins. Et puis elles ont des failles aussi, il hein ne faut jamais l'oublier. Alors, mmh. vous avez peut-être la chance d'avoir une solution euh, de gestion d'accès public à Internet et de postes euh, assez euh, solides ça vous protège pas mal mais ça coûte beaucoup d'argent puis quelquefois on a une bibliothèque qui n'a absolument pas du tout les moyens mais pas du tout d'avoir une solution technique et tout ce qu'on dit là devient très complexe hein, euh, mmh. à, à, à pouvoir euh, c'est beaucoup beaucoup de visu euh, de manipulation pour aller facile l'historique euh, euh, puisque ça me permet d'avancer sur le, le point d'après euh, qui viendra derrière, mais peu importe, mais pour vous dire que euh, toutes les données de consultation ne doivent pas être évidemment, évidemment euh, enregistrées. D'autres questions Allez, on on peut... Bon, ben super. Alors, on va encore un tout petit peu avancer. Hop, je vais voir si je reprends la main sur... Voilà. Très bien. Les durées, alors si jamais vous collectez des données personnelles qui rentrent dans le cadre du RGPD, on est aussi sur une année à compter de la date anniversaire hein, de la connexion, vous n'avez pas le droit de diffuser ces informations, la, euh, on vous demande le nom et le prénom de la personne qui est venue se connecter à Internet. Si ce n'est pas dans le cadre d'une procédure judiciaire, vous n'avez absolument pas du tout le droit de le faire. J'ai eu des cas de figures d'élus euh, qui étaient venus demander. Euh, dans un quartier où des gens venaient visiter des sites euh, qui étaient en, en, en langue arabe, et donc impossibilité euh, possibilité de vraiment bien savoir. Et l'élu, a dit, mais c'est qui ces gens qui viennent là-dessus Et donc, euh, des collègues bibliothécaires se retrouvaient avec une injonction de leur élu, de leur donner, est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom Parce qu'elle notait ça sur un carnet de ces personnes-là. Et elle l'avait euh, donné, hein, euh, parce qu'elles avaient été impressionnées. Et elle me l'avait indiqué, je leur ai dit, mais vous savez que... Vous, vous, vous mettiez en... Votre élu, vous le mettiez en danger, hein, euh, juridiquement parlant. Hein, et il pourrait vous le reprocher, euh, dans l'absolu, même si c'était un ordre qui était là derrière. Okay et on rappelle qu'on n'a pas d'obligation de collecter ces données. Hein, il faut toujours essayer de trouver la solution la, plus, la moins contraignante possible, même si ce n'est pas toujours simple euh, d'être là-dessus. Bien. Je rappelle aussi le RGPD, je vais aller très vite, mais le RGPD nous donne une obligation de sécuriser les données. Si vous prenez, captez des données personnelles, vous les avez justifiées dans le cadre du RGPD, évidemment que vous avez ce qu'on appelle les principes d'intégrité, confidentialité et de disponibilité, ça veut dire que vous les mettez sur un fichier Excel hein, qui est sur le poste au public, ça veut donc dire que n'importe qui qui passe devant le poste public, il voit. Euh, qui est venu sur Internet. Vous est d'accord que des collègues ne euh, vont certainement pas regarder. Mais ça, ça ne rentre pas dans le cas du RGPD. Hein. Vous ne pouvez pas mettre sur un fichier Excel qui est accessible à tous. Seules les personnes qui sont autorisées à accéder à ce fichier Excel, alors euh, voilà, c'est un principe, doivent pouvoir accéder à ce principe-là. La DSI vient faire une petite euh, intervention sur le poste, euh, et elle pourrait accéder au fichier Excel, mais c'est totalement contraire aux, aux, aux éléments du RGPD. Le petit cahier. Sur lesquels vous écrivez, pour prendre des cas de figure très simples, euh, sur lesquels vous mettez le nom, le prénom, la date et l'heure, etc. C'est pareil, mais euh, on fait un, un pas de côté. Le cahier de suggestion de la bibliothèque dans lequel euh, les gens écrivent leur recommandation de lire un livre, et puis euh, on leur demande le nom, le prénom, voire même peut-être un numéro de téléphone, j'exagère un tout petit peu, mais ça aussi, hein, c'est dans le cas du RGPD, c est, c est, ça ne marche, marche pas du tout hein, comme, comme élément. Donc c'est juste pour vous dire que, alors que quand on a un logiciel de suivi de poste que vous avez peut-être pour la plupart d'entre vous, il y a des codes d'admin et c'est celui qui a le code administrateur qui accède au contenu des éléments. Ou c'est tous ceux qui sont en poste au public qui sont derrière ces éléments-là. Encore une fois, Hein, je rappelle juste hein, 16 éléments, mais ce n'est pas anodin. Et le RGPD, ce n'est pas que numérique. Le RGPD, c'est toute forme de collecte de données personnelles, quel que soit hein, le format euh, papier ou, euh, ou numérique, bien évidemment. Alors, évidemment, et ça fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a aucune collecte des données de consultation également. C'est-à-dire qu'on ne filtre pas les contenus, hormis ceux qu'on a indiqués. On ne capte pas les données personnelles, nous gardons que les données de trafic. J'ai vu votre question, Sylvain, j'y reviens juste après. Euh, nous n'avons pas le droit de conserver les données de consultation, l'historique, les sites visités, les mails, enfin, ça me paraît évident, sauf que, est-ce que vous êtes certain, si vous avez des sessions, il n'y a pas de problème, mais dans des petites bibliothèques, quelquefois, il y a un poste à Internet, et les gens vont sur Internet, et celui qui arrive derrière, s'il va sur l'historique, ben, il voit tout ce que la personne avant a euh, visité, et ça, on ne peut pas. Là, ne peut si vraiment... pas déconnecté d'un site. Euh dans un site de mail par exemple il peut tomber sur sa message. exactement et on a eu ces problèmes notamment au début quand on prêtait des tablettes euh, mmh. quelquefois on prêtait des tablettes au public le public prenait les tablettes dans les espaces de la bibliothèque certains allaient sur leur compte Facebook etc et puis on nous rendait le matériel on n'était pas très attentifs parce que, parce que voilà on était moins mature hein, sur ces questions là ou parce qu'il y avait du monde au public et puis la personne derrière voyait ben, voyez euh, le compte Facebook de l'autre ça c'est totalement euh, c'est pas possible Hein, tout simplement donc euh, on ne doit pas conserver c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne prend la main sur une machine qui est partagée c'est elle est neuve elle est neutre hein, elle est là-dessus remis à zéro exactement le fiche, alors les bibliothèques qui n'ont pas de solution qui mettent à jour ou quoi que ce soit eh bien, malheureusement si on va être exactement dans le cadre c'est d'aller sur le poste et d'effacer l'historique euh, la mémoire cache et tout ce qui va avec et on voit bien que ça devient euh, très compliqué hein, à, à proposer ces éléments-là le fichier Excel crypté euh, eh ben, très bien euh, les personnes euh, le, le, je, je réponds à la, à la question de Sylvain qui demandait mais si on fait un fichier Excel qui est, qui est soumis à être identifié pour pouvoir accéder au, au, au fichier oui mais on est d'accord que c'est théoriquement super intéressant mais tout ça, je le dis maintenant, se frotte à la réalité de nos terrains, de la réalité du service au public. Euh, quelquefois, celui qui est habilité à ouvrir le fichier Excel pour entrer le nom et le prénom de la personne qui veut se connecter à Internet, il est en vacances. Il est malade. Il est en train de faire son atelier. Et donc, on voit bien que ça, se, ça vient se frotter à, aux aspects purement organisationnels de terrain. Et on voit que quelquefois, ça nous, voilà, ça nous complique la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, hein, mais on est là-dessus. Pour les suggestions de lecteurs, oui, oui, évidemment. Mais euh, je, je, le, les suggestions de lecture, c'est est-ce qu'on les fait anonymes ou pas a, Je peux comprendre qu'on a besoin d'aller là-dessus, d'avoir de, la personne pour, sa, pour lui dire ce qu'il en est ou pas de, de sa suggestion. Mais elle peut venir reconsulter le cahier euh, et voir que sa suggestion, c'est ou c'est non. Il n'y a pas besoin peut-être d'avoir son nom si elle revient consulter son. Vous voyez, c'est tous ces raisonnements. Ça nous oblige à raisonner un petit peu autrement avec ces éléments de, de RGPD. Alors, eh oui, <laughs> bien sûr, on parle de ceux qui aiment prioritaire. Euh, eh bien oui, mais comme ça, euh, on reprend la main là-dessus. On décide de tout. Euh. Je vous montre cette. Euh... Oui, 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 c'est une habitude. C'est difficile de revenir en arrière, c'est vrai. Et c'est pour ça que, comme c'est difficile de revenir en arrière, c'est pour ça qu'on a un cadre légal qui nous explique que maintenant il va falloir revenir en arrière. Vous voyez, enfin, c'est un peu l'objectif, hein, c'est-à-dire que, euh, voilà, c'est pas anodin. Un cadre légal qui bouge euh, ou des règlements qui bougent, euh, on a du mal, hein, mais il faut essayer d'y tendre, surtout que là, on est sur des principes qui sont quand même assez puissants. Hein, le fait de respecter les données personnelles, la confidentialité, de redonner la maîtrise aux gens de leurs données, de leur navigation, c'est des choses, on en fait de l'éducation aux médias à l'information dans les bibliothèques. C'est quand même un comble d'éduquer les gens aux médias à l'information sur la gestion de leurs données personnelles et nous-mêmes, dans nos pratiques professionnelles, ne d'un peu s'asseoir là-dessus. Il y a une contradiction euh, qui, qui ne va pas. Euh, à la limite, je, aucun épicier, j'exagère, je, hein, ne le respecte pas. Euh, bon, il est un peu éloigné de toutes ces problématiques euh, de, 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 de données personnelles, de, de maîtrise de l'algorithme. enfin, bon, bref, toutes ces terminologies qu'on utilise beaucoup dans les sens de l'information, mais on, on, on ne peut pas, euh, on peut pas être en contradiction. Euh, entre euh, expliquer aux gens qu'il faut être attentif à leurs données personnelles et nous ne pas y être attentifs euh, Ça me fait euh, le lien à, à cette question qui est difficile parce que j'ai fait un achat en magasin, il y avait une tombola là pour euh, gagner quelque chose. Donc il fallait laisser ses laisser données personnelles, mais on a, ils n'ont pas parlé d'RGPD. Ben voilà. J'ai failli lui dire, je dis bon, bon je ne vais pas lui casser les pieds, mais <laughs> on laissait typiquement ces données personnelles et on ne disait pas... Euh, S'ils allaient les garder combien de temps, qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Enfin, voilà. Donc, on est tous, enfin, finalement, tout le monde est concerné et tout le monde ne connaît pas encore ce. Tous ces enjeux, même si c'est du papier. -langue. Exactement. Et, et d'où ouais. l'intérêt pour les bibliothèques, et notamment, si on refait le lien avec la Charte Bible libre, qui énonce quand même des principes extrêmement importants euh, d'un Internet ouvert et accès, la libre circulation des savoirs, euh, un savoir éthique, etc. On a quand même une, une exigence d'être attentif à ça. D'autant ouais. plus que nous sommes des espaces non marchands. qu'il n'y a pas ouais. d'enjeu marchand derrière la donnée personnelle ouais. pour nous aucun, ce n'est que des enjeux de fonctionnement de service donc finalement euh, euh, on est certainement les mieux disposés pour pouvoir être le plus proche du RGPD mais c'est encore une fois parce qu'il y a une crainte euh, que je peux entendre euh, parce que voilà le numérique euh, c'est des débats de société euh, etc et nous on est là pour essayer de, 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 de ramener un discours un peu plus rasséréné en tout cas plus serein autour du numérique et dire mais aller internet sans balancer toutes ces données c'est possible on est ce lieu. Et donc, là, c'est le côté un peu militant hein, qui parle, hein, évidemment. Mais, mais notre métier, il défend quelque chose aussi. Hein. Ce n'est pas simplement que donner accès. C'est aussi de défendre une liberté d'accéder sans avoir à donner une part de soi tout le temps pour pouvoir accéder à, à quoi que ce soit. Cette diapositive que vous voyez, c'est la médiathèque départementale de la Gironde qui avait proposé ce document que je trouvais très intéressant parce qu'il donne une sorte de checklist en se disant est-ce que finalement euh, euh, on est plus ou moins dans ce qu'on nous demande en tous les cas sur ces questions-là euh, alors euh, est-ce que euh, 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 est-ce qu'il y a une charte euh, internet euh, ou pas, multimédia c'est important la charte, hein, c'est comme le règlement intérieur mais la charte euh, là je parle comme un vieux, multimédia mon dieu la charte numérique pardon <laughs> je crois qu'on ne le dit même plus multimédia enfin je vois Xavier parce que euh, voilà on a vécu les les Et mêmes déb... Voilà, exactement. Euh, les chartes sont importantes parce que c'est le rapport de confiance qu'on a avec les gens. Hein, C'est-à-dire qu'on est transparent, on dit exactement, voilà, vous avez accès à ça. Voilà ce qu'on, enfin voilà les contraintes que nous avons. Euh, c'est important. Et si en plus vous avez besoin de leurs données personnelles pour des raisons qui se justifient, ben c'est l'occasion d'avoir le, 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 le consentement éclairé hein, à travers cet outil-là. Et c'est un peu plus laborieux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la checklist, mais ça fait écho à tout ce que l'on a dit. Et ça permet de voir si on est plus ou moins là-dessus. Je vous dis tout de suite, euh, on est rarement totalement sur le cadre légal. On est plus ou moins éloigné du cadre légal. L'intérêt, c'est d'être le moins éloigné possible du cadre légal. Hein, je, je le dis parce qu'il y a aussi des, des contraintes d'organisation de, de, qui font que quelquefois, c'est un peu compliqué. Mais il faut être le plus proche possible. De ce cadre légal ou d'y être tout, complètement, même si, euh, si c'est toujours un petit, peu, un petit peu compliqué. En tout cas, il faut être conscient qu'on est peut-être borderline et qu'il voilà, faut, faut avoir conscience de ce qu'on fait. On a une fragilité. Ouais. Et encore une fois, quand on a une fragilité, c'est important de la partager, cette fragilité, avec euh, ouais. ce les gens qui sont au-dessus de nous. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, on n'a pas de solution euh, pour gérer les postes au public euh, qui nous empêche tout ce qu'on a dit. Euh, ben, on en fait part peut-être au DG ou à son élu et on lui dit, ben, nous, la solution, c'est celle-ci. Si votre élu dit non, moi, je ne mets pas d'argent autour de ces éléments-là, ben, il a pris sa responsabilité. Hein. Vous, vous avez fait votre travail de lui annoncer le cadre. Euh, réglementaire, il y va ou il n'y va pas, mais vous, vous avez fait votre travail. On ne pourra pas venir vous reprocher que vous n'avez pas fait euh, cette démarche-là. C'est très, très important d'être là-dessus. Et puis, n'oubliez pas, pour certaines collectivités, je comprends pour les petites bibliothèques, c'est plus complexe, on n'est pas seul. Hein, vous avez une DSI, vous avez un DPD ou, euh, un, d, un, ou un DPO, euh, c'est avec lui qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de problématiques techniques. Qui sont opposés. Donc, il ne faut pas essayer de régler ces sou soucis-là tout seul. Vous pourriez peut-être demander à votre service juridique si vous en avez un, mais bon, le service juridique, par défaut, c'est non. Donc euh, c'est le dernier recours. Hein. Lui il va vouloir plutôt une vision maximaliste de tout, ce qui est tout à fait normal, hein, ce qu'il veut protéger au maximum. Donc ouais. euh, voilà. Mais des fois, on en a besoin. OK. Voilà. Je vous ai donné tous les éléments. Alors, on peut revenir sur certains points hein, si vous le souhaitez. On voit bien que finalement, donner un Internet fiable et ouvert, le cadre légal est, est assez clair et, et pas et, exhaustif, enfin, comment dire, pas lourd, en fait. Hein. Euh, on nous demande de conserver les données de, de, de trafic. Euh, pas, pas d'obligation de collecter les données personnelles, on ne doit pas collecter les données de consultation et si on prend les données personnelles, d'être en conformité avec le RGPD. Voilà, c'est vraiment un cadre qui est relativement simple et qui n'est pas toujours évident à, à, à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres remarques Vous rappelez juste que la charte Bible libre, justement, euh, vous savez que vous pouvez euh, faire signer cette charte, cest que votre collectivité et vous-même, vous vous engagez à être dans cet esprit-là. Donc, la charte est une sorte d'engagement, de, 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 entre guillemets, moral, en disant que nous essayons d'être dans cette logique-là. La partie Internet, elle, elle est l'intérieur. Elle et le label, le premier label, qui est relativement simple, à euh, accéder. Je te présente, hein, du coup. Euh. Bien sûr, tu, as, tu fais bien. Euh, euh, le label euh, qui a plusieurs niveaux. Euh, le premier niveau est un niveau plutôt simple. Euh, et l'un des critères du premier niveau, c'est un accès à Internet ouvert et sans contraintes. Et donc, quand les bibliothèques qui postulent pour ce premier label, eh bien, on leur pose un petit peu ces questions. Dans le dossier, on vous demande un tout petit peu comment vous donnez accès à Internet, qui peut aller sur Internet, etc. Et c'est ces éléments-là qu'on essaie de, de sensibiliser. Et quelquefois, on a eu des cas de figure de bibliothèques qui n'étaient pas dans le, cadre, dans le cadre du label et qui, eh bien, en fait, ont modifié l'organisation, changé le règlement intérieur pour pouvoir représenter la candidature l'année d'après et pour obtenir le niveau de label, ce qui vous fait comprendre que ce label, ce n'est pas simplement récompenser, ce qui n'est pas du tout l'objet, mais le label, c'est un outil pour pouvoir aussi dialoguer et d'avancer sur ces éléments-là. Et vous comprenez qu'il est le, premier, le point de départ. On ne peut pas revendiquer l'accès ouvert au savoir et à l'information dans un environnement numérique si déjà juste l'accès à Internet est extrêmement contraint. C'est pour ça que c'est le point de départ en fait, d'une démarche qui peut être beaucoup plus longue par derrière. Xavier montra l'élément. Le, le, ah ouais. Je montre les éléments de l'ABF qui sont sur le, le site de l'ABF. Hein. Donc, ça, c'est… J'ai plusieurs trucs couverts en même temps. Voilà. Donc, là, c'est le label 1. Et puis, après, on a une, le deuxième. C'est cumulatif. Hein. Là, c'est la production de contenus originaux sous licence libre, la mise en place d'ateliers participatifs, l'accès et réutilisation libre et gratuite du domaine public mis à disposition par la bibliothèque. Donc, Bon, il est probable que ça évolue un peu parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains critères, voilà, depuis que la charte a été mise en place, qu'on euh, qu va peut-être revoir, mais oui. on, vous, on vous informera là-dessus. Puis il y a le niveau 3 où il y a Fab Lab, Makerspace, euh, et puis euh, participation citoyenne euh, à la politique documentée. Des questions sont arrivées entre-temps. Oui, ouais, La, 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 la première de Laura, il y d'autres qui font écho à, à la charte. Ouais. Laura qui demande si euh, ce droit fondamental d'accéder à l'information, en fait, euh, mmh. est-ce que le Wi-Fi rentre dans ce droit d'accéder à l'information Comprenez bien que le Wi-Fi ou le poste informatique connecté à Internet ne sont que des moyens. En fait, il hein, n'y euh, euh, a pas d'obligation à avoir du Wi-Fi. Ce qu'on demande, c'est est-ce qu'il y a une li un libre accès au savoir dans la bibliothèque via Internet, Wi-Fi et ou poste public Ok. Donc le Wi-Fi, vous savez que ce qui est important, hein, euh, aujourd'hui le public en bibliothèque est plus demandeur de Wi-Fi que de postes connectés, le monde a bougé. Aujourd'hui les postes connectés permettent à des personnes qui sont mal ou pas équipées d'avoir accès à, à Internet, et donc là on est complètement dans notre droit d'accéder à l'information. Vous n'avez pas le matériel, on vous le met à disposition, mais de plus en plus de personnes sont en recherche d'une connexion. Hein, tout simplement pour ne pas, soit parce qu'ils ne sont, sont pas à la maison et ça leur permet d'avoir l'accès Wi-Fi, mais aussi pour des personnes qui euh, ne peuvent pas s'abonner à, à, à une connexion Wi-Fi ou qui ont des connexions euh, smartphone euh, très réduites, eh bien le Wi-Fi gratuit, c'est donner accès à Internet sans demander quoi que ce soit aux gens. Hein, ce n'est pas anodin, hein, c'est un accès gratuit qu'on donne à la population. Donc euh, oui. Euh, le libre accès, au savoir, le Wi-Fi est dans le package, mais n'est pas obligatoire, si je réponds à, 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 à l'interrogation que se posait euh, euh, Laura. Et évidemment que le dialogue avec les DSI est très important, même si souvent euh, une DSI réfléchit… Euh, pas On a des rapports des fois un peu tendus avec nos DSI, mais il faut aussi comprendre que pour les DSI, ils ont des, 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 des problématiques à gérer qui sont quand même assez, assez complexes. Hein, euh, très, très, parce qu'ils ont tous les services. Ce qu'il faut juste leur faire comprendre, c'est qu'une bibliothèque, ce n'est pas un service compta. Ce n'est pas le service euh, RH. C'est un service qui propose euh, des services numériques à la population. Donc il y a la question de l'usage qui est très 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 important. L'usage du public n'est pas l'usage du support métier. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais et quelquefois il faut un peu insister euh, puisque alors c'est en train d'être corrigé, mais pendant longtemps les DSI ont loupé le virage des usages. En fait, ils avaient euh, parfaitement compris la sécurité, les supports métiers, les infrastructures, etc. Et avaient assez peu finalement euh, euh, intégré la question de l'usage auprès des publics. Très sincèrement, aujourd'hui, ce serait faire un mauvais procès de dire ça aujourd'hui. Mais néanmoins, il faut dialoguer avec ces décisions, que... et il faut éviter de se fâcher avec, hein, parce qu'on en a hyper besoin. Euh... Ils ont un, un pouvoir, euh... enfin, un pouvoir. Euh... Eux, ils doivent garantir la sécurité, les débits pour tout le monde, tous les services et tout ce qui pourrait mettre en difficulté le réseau. Bah, ils titillent un tout petit peu sur ces questions-là. OK. Il y avait une question sur la production de contenus originaux sous licence libre. Qui... Alors, ça veut Et dire quoi. quoi Ça correspond. Oui, bien sûr. Ça, ça fait partie du deuxième niveau, je crois. Je m'en souviens ouais. plus. Ouais, je crois que c'est ça. Euh, juste, Laura, est-ce que ça a répondu à votre question Je réponds tout de suite à, à Mylène. Vous nous faites un petit euh, un petit signe pour nous dire si c'est OK. Alors, pour la production de contenus originaux sous licence libre. C'est en train de fortement progresser. C'est-à-dire que, quelquefois, quand vous regardez euh, des sites de bibliothèques ou des sites de collectivités territoriales, il mettre... euh, y a une production originale de contenu et il y a marqué tout droit de reproduction est interdit, euh, une sorte de copyright, entre guillemets, euh, des contenus. Or, l'idée, et ça, ça vient des communs du savoir, c'est tout simplement que lorsqu'on produit des contenus originaux, originaux avec de l'argent public, c'est-à-dire des agents publics euh, dans une institution publique eh bien en fait on doit laisser libre euh, euh, libre comment dire diffusion euh, de ces contenus on ne doit pas interdire l'accès à donc la bibliothèque un bibliothécaire qui produit des critiques de livres ou qui va faire un dossier sur tel ou tel euh, sujet devrait être en principe sous une licence libre de diffusion Creative Commons, par exemple, donc il faut connaître les... Voilà, pour permettre au savoir de se diffuser librement. Parce que notre objectif, c'est que les savoirs soient diffusés librement. On ne peut pas décider de diffuser librement des contenus pour lesquels nous n'avons aucun droit, nous, ce n'est pas. Mais tout ce que nous produisons, nous, un podcast, euh, une vidéo YouTube, euh, devrait être ouvert. Pour permettre la diffusion au plus grand nombre, la réappropriation par d'autres des savoirs que nous produisions. C'est ce qui est, euh, c'est ce qui est euh, sous-entendu dans la partie euh, de, dans la partie production contenu originaux sous licence libre. Voilà. Je ne sais pas si ça répondait ouais, à votre la, la, la même question aussi sur accès. Enfin, c'est toujours. Euh... Mylène, accès et réutilisation libre et gratuite du domaine public sans aucune mention de droit, etc. etc. Exactement. Alors, le il domaine public. la prolongation de ça. C'est exactement ça. Il y, a, il y a beaucoup de bibliothèques. Alors, là aussi, c'est en train complètement de. Il euh, ne faut pas oublier que la charte est à, à, à maintenant bien cinq ans, si c'est pas plus. 5 ans, oui. Oui, oui, voilà. Eh bien, à ce moment-là, mais il faut quand même les garder, hein, ces principes, parce que oui. c'est un des principes fondamentaux. Beaucoup de bibliothèques numérisées des fonds patrimoniaux qui étaient dans le domaine public, très bien, euh, même de grandes institutions le faisaient euh, aussi, et euh, vous savez que l'intérêt du domaine public, enfin l'intérêt, ce qui définit le domaine public, c'est qu'il n'y a plus de monopole d'exploitation, c'est-à-dire que quand ça rentre dans le domaine public, eh bien cette œuvre ou ce contenu appartient à tout le monde. On n'a plus à demander à qui que ce soit pour pouvoir l'utiliser. Si demain, vous voulez sortir une édition enrichie un, de l'œuvre de Molière, bah vous, pouvez, vous pouvez le vendre, le mettre sur Internet. Vous n'avez rien à demander à personne puisque c'est dans le domaine public. Et certaines institutions publiques, musées, librairies, euh, musées, bibliothèques pardon, et, et archives, numérisaient du domaine public et ajoutaient une interdiction de réutiliser les fichiers numérisés. C'est-à-dire que c'était une atteinte à l'intégrité du domaine public. Donc, vous aviez, pour prendre le cas des, des musées nationaux, vous aviez la Joconde euh, qui est dans le domaine public, qui nous appartient à tous. Elle avait été numérisée sans aucune trace d'originalité dans la numérisation, est une reproduction à l'identique. Donc, on ne peut pas revendiquer un nouveau droit d'auteur quand on reproduit à l'identique. Et il y avait dessous toute euh, reproduction interdite. C'est-à-dire que vous n'aviez pas le droit, vous, de. Récupérer l'image numérisée de Mona Lisa pour la mettre euh, à la limite sur un t-shirt, si vous en aviez envie, ou sur un ouvrage ou, ou un document que vous voulez euh, pour illustrer votre, euh, votre propos. Ça, c'est une atteinte totale à l'intégrité du domaine public. Je peux vous dire que c'est une bataille euh, énorme, hein, parce que vous imaginez. Euh, pourquoi Mona Lisa, ils ont mis dessous un copyright Parce que vous imaginez ce que ramène aussi comme revenu Mona Lisa hein, pour le musée du Louvre, pour parler de ce musée-là. Et tout d'un coup, on dit, mais tout le monde peut reproduire Mona Lisa, ce qui est le cas hein, aujourd'hui, est une perte de revenus, donc il vaut mieux laisser entendre qu'on n'a pas le droit. Or, on a parfaitement le droit. La seule chose qu'on n'a pas réussi à faire entrer dans le droit français, une, ce qu'on appelle une définition positive du droit public, dans le droit français, c'est une œuvre tombe dans le domaine public. C'est intéressant le, vo le vocabulaire. En fait, une œuvre s'élève au domaine public. Elle ne tombe pas quand on tombe, c'est une tuile. Hein. Euh, elle s'élève. Bien. Un pas une blague en ce moment. Oui. <laughs> Exactement. Donc voilà, c'est ce qu'on entend. Donc quand une bibliothèque numérise du domaine public, elle doit la mettre à disposition sous une licence la plus libre possible pour ouais. respecter l'intégrité du domaine public. Voilà, je ne sais pas si j'ai été bien, bien clair. Les réactions sont plutôt bonnes là-dessus. Il y a Julie qui peut parler de la question de l'usage d'un Chromebook ou d'une tablette pour consulter Internet. Elle ne pose pas de soucis, pas de session pour se connecter. Des usagers qui utilisent des outils les uns après les autres sans suppression de mot de passe. Ou... Non. Ça ne pose aucun problème du moment où vous respectez la confidentialité et qu'il n'y a pas euh, que toutes les données de consultation sont bien mises à jour ou quoi que ce soit. Vous voyez bien, ce n'est pas l'outil qui pose problème. C'est si jamais il y a un Chromebook ou une tablette qui est mis à disposition du public et que moi, je prends le Chromebook ou la tablette après un monsieur ou une dame et que je vois tout ce qu'ils viennent consulter sur Internet, là, c'est un problème. Mais ce n'est pas le Chromebook le problème c'est que le dispositif qui doit garantir la confidentialité de la consultation n'est pas, pas respecté et c'est de cela euh, et c'est bien de cela qu'il s'agit il hein. le, faut bien intégrer que wi-fi Postes connectés, Chromebook, tablette, quoi que ce soit, ne sont que des moyens, c'est des vecteurs. Hein. Ce n'est pas des finalités. Le, la, la, la réglementation autour de l'accès public à Internet concerne ce qu'il y a dans les tuyaux et concerne l'usager qui utilise l'appareil. Ce n'est pas l'appareil qui est mis en question. Voyez, hein, euh, Que ce soit un Chromebook ou je ne sais quoi, ça pose aucun problème du moment où vous respectez bien. Le cadre, le cadre légal qui nous est donné, le cadre réglementaire pardon, qui nous est proposé. Euh, là, je présentais, on euh, va poser d'autres questions, juste le processus d'adhésion et de labellisation, puisqu'on en est avec la charte, peut-être pour devancer ou permettre de poser des questions. Pour moi, la première démarche, c'est l'adhésion. Donc, c'est important, ça a été mis en place pour, en fait, que vous fassiez prendre conscience de ce que vous faites à votre tutelle, puisque l'adhésion est signée par le maire ou le président de la Comcom. -Com. ça, c'est la première démarche. Là, on ne vous demande pas de respecter, enfin, respecter les principes de la charte, mais on ne vous demande pas d'autres informations très précises pour être, pour être adhérent. Il faut s'engager à respecter les principes de la charte. Et après, le deuxième niveau, c'est la labellisation avec le 1, 2, 3, euh, sur lequel on vous demande, envoyez le règlement intérieur, tout ce que vous faites pour justifier euh, des, du niveau 1, 2 ou 3. Voilà un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. N'hésitez pas. Je suis en train de, de, de remonter un tout petit peu en attendant, voir si j'avais oublié ouais. quelques questions. Euh... Bon, est pas question. Alors, est-ce que, euh, c'est intéressant, c'est Jean-Marie qui, qui, qui pointe euh, des bibliothécaires qui surveillent les internautes Majeur, ah oui. majeur. Ah oui. De leur espace PC public, ne sont pas en train de consulter si des sites pornographiques ou sont-ils bien dans leurs droits mmh. Ok. Euh, alors. Euh... Le bibliothécaire peut quand même veiller à ce que, euh, évidemment, rien ne puisse choquer euh, les mineurs, enfin, blablabla, bla, tout ce qu'on a dit euh, là-derrière. OK. Mais veiller à ce que ça ne veut pas dire fliquer. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il me semble, Xavier, qu'on avait eu euh, un, un ouais, cas. C'était dans le règlement intérieur où c'était marqué. Et on ils ont fini les a finis par le modifier, Alors, on avait dit que ce pas possible. Voilà, que les bibliothécaires se donnaient mmh. le droit de surveiller ce que regardaient les gens. Voilà, C'était ça qui était marqué mmh. dans le règlement. Ça, ouais, ça C'est absolument pas possible. D'accord hein, C'est-à-dire que est-ce qu'on va au-dessus des épaules des gens qui feuillettent des magazines dans lesquels il pourrait y avoir des photographies un petit peu euh, facile On a des closeurs et des voici. Euh, on sait que les numéros d'été, mmh. c'est plutôt. Euh, voilà, il hein, y a pas mmh. beaucoup d'habits. Bon, euh, on ne va pas derrière les épaules de ces gens-là pour leur dire oh, 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 il y a des enfants dans cette... OK Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas intervenir. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant. Hein, je rappelle qu'une bibliothèque, c'est un espace qui est partagé avec d'autres. C'est le lieu du vivre ensemble. Hein. On va très... Voilà, donc il y a des... Il faut veiller à ce que ce vivre ensemble fonctionne. Et donc, lorsque la bibliothèque, le bibliothécaire va constater que, effectivement, là, je vois, parce que je l'écran, je le vois, qu'il y a quelque chose qui pourrait être tendancieux, on doit intervenir pour dire écoutez, monsieur, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas à la maison. Si vous voulez regarder des sites qui sont un peu comme ça, qui peut être porté à discussion, ben, vous ne le faites pas ici, vous le faites dans une bibliothèque. C'est important de ne pas aller trop loin. Dans... Après, il y a des gens qui m'ont gueulé, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est dans leur droit Dans leur droit, au sens où on veille à ce que le vivre ensemble fonctionne, et de là, organiser la surveillance de ce que vont regarder les gens sur le poste Mais je pense que ce n'est pas ce à quoi vous pensiez quand vous l'avez indiqué. Non, non, ce n'est pas, pas, pas notre travail. Puis, euh, voilà. Juste pour vous dire que la scénographie des postes au public, là, est très importante. C'est-à-dire la manière dont vous disposez les postes de connexion à Internet va très fortement induire malgré tout, quelquefois pour certains gugus, des usages. On sait que l'autocensure est un outil, euh, enfin l'autocensure, ce que je consulte et vu de tous est la première euh, règle qui permet de réduire un peu ce, ces cas de figure. Les postes en angle mort, euh, c'est des postes qui souvent postent des petits, euh, des petits ou des grands soucis euh, d'éléments de, 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 qui sont là-dessus. Donc, penser sa scénographie à la disposition plutôt des postes euh, induit la question de la, aussi de la surveillance ou bizarre, de l'autorégulation ouais. des contenus euh, qui, ouais. sont, qui sont mis là-dessus. François, avait une question Si vous voulez prendre la parole, ou... allez-y. Vous mettre dans le chat. Bonjour à tous. j'étais en train d'écrire la question. Mais là, ouais. je pense que ça va être beaucoup plus simple. Oui. Donc, en fait, euh, vous, vous disiez, parce que là, je suis, je travaille à la bibliothèque de à la bibliothèque Condorcet. Et en fait, on, on a un, un petit souci avec le Wi-Fi libre. Et étant donné qu'on a des étudiants euh, qui viennent travailler avec des ordinateurs euh, fournis par l'Éducation nationale, oui. Mais étant donné que ce n'est pas, euh, pas un accès, ils n'ont pas droit à, à utiliser un accès vraiment libre si l'accès si, euh, euh, le, 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 n'est pas équipé d'un code de sécurité euh, web. Ouais. Est-ce normal Je... Eh bien, alors euh, c'est pas bien, mais est-ce normal c'est-à-dire que compte tenu que l'Éducation nationale leur fournit le matériel, ils peuvent tout à fait décider des règles d'utilisation du matériel qui leur fournit. Je ne sais pas si je suis bien, bien clair. Oui, je, je, je comprends. Oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que comme le matériel n'appartient pas au… Aux étudiants, hein, aux lycéens ou aux étudiants, voilà, ils peuvent tout à fait. Euh, en fait, ils veulent protéger le matériel qu'ils mettent à disposition et ils peuvent exiger la connexion euh, sécurisée ou repérée euh, par, euh, par le prestataire. Ce qui n'est pas, pas idéal parce qu'en fait, on voit bien que c'est comme si on on prêtait le véhicule, une voiture à quelqu'un, et encore lui disait, tu ne peux faire que ce trajet avec cette voiture là. on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent, et notamment si on décide de, 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 de limiter la fracture numérique et d'amener vers un apprentissage des usages numériques, c'est jamais très intelligent de le dire, je te restreins au maximum ces éléments là. donc euh, ils peuvent le faire, mais ce n'est pas, pas du tout dans l'esprit, euh, dans cet esprit là, mais c'est l'éducation nationale, hein, c'est ça. Hein Oh oui, tout à fait. C'est des, ah, euh, ouais. c'est ouais, voilà, c'est des ordinateurs euh, qui sont donnés euh, aux étudiants pour qu'ils puissent travailler, mais euh, ils, peuvent, ils ne peuvent pas se connecter parce que le, 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 le libre le libre accès à Internet ouais, euh, n'est pas n'est pas autorisé. N'est euh, pas autorisé. Voilà. voilà. Il faut qu'il y ait un code de, de sécurité pour pouvoir y accéder, en ça. sachant que il euh, y a pas mal d'étudiants qui 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 contournent, euh, qui se font euh, une connexion euh, via leur portable et euh, et qui euh, communique aux autres euh, collègues euh, pour qu'ils puissent se connecter pour faire le travail en commun. Mais vous pointez en fait toute la toute l'absurdité du du, du du process mmh. tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu de d'avoir une approche responsable, d'apprendre par l'usage, par ses études, par l'ordinateur, par la connexion, d'être en contact avec un usage plus responsable du numérique, on m'apprend à contourner en fait, euh, les, la règle, ce qui est complètement euh, contre-productif. Voilà. Parce que c'est, voilà, mais vous savez, c'est, enfin, on, on peut en un débat, mais c'est quand on va au, en, en Scandinavie, les candidats qui passent l'équivalent du bac ont le droit de venir avec leur ordinateur connecté à Internet pour faire leurs devoirs. Et en France, vous dites ça, vous dites, ils vont complètement euh, copier, coller euh, tout ce qu'ils vont trouver sur Internet et ils vont là-dessus. Ben oui, parce qu'en fait, on ne leur a pas vraiment appris à utiliser dans un cadre autorisé que copier-coller. Ce n'est pas simplement que copier-coller, mais c'est aussi s'inspirer. Enfin, vous voyez, c'est toute une éducation. Tout à fait. Et, et en fait, on s'aperçoit que sur l'éducation aux médias et à l'information, ces pays-là, alors il ne faut pas non plus être angélique, il y a une plus grosse maturité en fait, autour des usages du numérique de ces plus jeunes que nous, où nous, on est toujours un peu à dire euh, « attention enfin, ». C'est important hein, l après de, de, de dire « attention ». Mais de, de vouloir absolument contrôler et qui est totalement contreproductif, totalement. D'accord, merci. Bon, euh, pour en répondre à Mylène, euh, bah peut-être il faut éteindre ce poste hein, s'il est dans l'angle mort, il faut faire des économies d'énergie. Euh, euh. Alors, c'était une question sur euh... demander à l'usager de privilégier un poste quand il n'est pas en angle mort quand tous les autres postes sont pris. Ah oui. Bon, autant être un ce moment-là. Oui, ouais, c'est ça. Et de mm. toute façon, les postes en ongle mort, c'est mm. C'est mort. <laughs> <laughs> c'est complexe. Mm. Enfin, Tout dépend du public que vous avez, mais quand vous êtes dans une, une bibliothèque où il y a beaucoup de jeunes mm. ou d'ados, vous êtes certain que mm. ça va être le point de crispation euh, qui est là derrière. Mm. Et je vois qu'il y a une. Euh, et Hervé qui, qui pointe euh, ChatGPT, <laughs> effectivement. Euh, euh, c'est le. Oui. C'est la question du moment. C'est est... la grande question, puisque l'intelligence artificielle générative est la... et certainement la, la, la grande révolution qu'on est en train de connaître euh, mmh. euh, de, voilà, de ces dernières décennies, -là, hein, ce qui est énorme, mmh. mais qui est un autre sujet à part entière. Hein. Ouais. Bien, on est à proche de la fin euh, prévue. Est-ce qu'il y aurait encore une ou l'autre question euh... Sinon, je vais, mettre... vais le mettre dans le chat, mais vous l'avez vous aussi sur le site. Voilà, si vous avez des questions, on a un mail, donc n'hésitez pas à nous écrire. On va mettre sur le site dans les prochaines semaines tous les documents aussi pour pouvoir faire sa demande de label. Actuellement, on répondait quand les gens demandaient de la de labellisation, on leur envoyait le dossier, tout ça sera sera téléchargé, comme ça vous aurez tout de suite une vision de, des documents que vous aurez à fournir pour demander un label. Euh, oui, 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 bien sûr. Le, le, le PowerPoint, euh, on le mettra à disposition. Vous l'aurez constaté, il est libre de droit. Hein ben oui, forcément. Euh, vous pouvez tout à fait euh, aller là-dessus. Vous dire que sous la charte, malgré tout, oui. on peut signer la charte, mais on est, on peut ne pas avoir le label. Tout à fait. C'est important parce que vous voyez, la discussion que nous avons eue, euh, d'échanger, etc., ça génère ça, la charte, quand on veut la faire signer à sa bibliothèque. Mmh. Ça permet à tout d'un coup de se mettre à discuter de ce truc qu'on n'a pas forcément euh, mis, euh, sur lequel on n'a pas forcément engagé une conversation là-derrière. C'est mmh. très important, c'est un outil de discussion au sein de son organisation. Et déjà, la signer, c'est déjà beaucoup. Hein, même ouais, si les labels c'est passé à capot dessus, et nous on encourage beaucoup à au moins la charte. C'est important qu que, que, que la tutelle, que les collègues, mais que la population voit que nous sommes garants quand même de certains principes et, et, et qu'on n'est pas hein, la bibliothèque. C'est pas je mets une pièce, j'ai une bouteille. C'est un peu plus que ça quand même. Hein, on n'est pas obligé de mettre une pièce pour avoir la bouteille. C'est quand même euh, important. Oui. Et ça répond à la question qui avait posé plus haut, auquel on n'a pas répondu. Mais oui, vous pouvez quand même vous en servir pour un dialogue avec la DSI, même si ce n'est pas contraignant. Mais vous montre, ça montre le travail qu'on est censé faire et qui est important, le rôle des bibliothèques dans le domaine de la diffusion d'informations. Et donc, derrière, il faut des moyens techniques qui correspondent. Donc, ça peut être quand même, même si le wifi n'est pas la solution euh, obligatoire, mais ça peut être un dialogue pour expliquer, oui, ben ça serait quand même plus simple si le wifi était là. Les gens viennent avec leur téléphone, leur tablette, et puis on n'est pas, enfin, voilà facilite notre rôle dans ce domaine plutôt que si tous les postes informatiques sont pris. C'est un outil de dialogue aussi avec des DSI. Quoi. Exactement, et ça donne de l'argumentaire où quelquefois, on va presque nous dire, mais est-ce que c'est vraiment votre boulot de donner un accès euh, euh, au Wi-Fi vous voyez euh, ouais. Ça va vous amener de, 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 la, de, de, de la... Oui, ça alimente oui, votre super. discours professionnel et c'est ouais. important. Et oui, le, le webinaire est ouais. enregistré pour à répondre fait. à, la à, à France, Laurence. Ouais. Ouais. On a même testé, on verra ce que ça donne. Euh, il y a oui. un outil d'intelligence artificielle aussi dans Zoom maintenant, qui est censé nous faire la synthèse. On l'a testé, on verra. <laughs> bon, si ce n'est vraiment pas utilisable, ouais, on super intéressant. Pour si on a quelque chose d'intéressant, ça complétera le, le webinaire, l'enregistrement et les diaporama. OK. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent pour ce premier webinaire. Euh, bah, on vous donne rendez-vous l'année prochaine, on verra. En début d'année, on programmera tout ça sur un autre sujet. Et puis si vous avez... Euh, des, des idées, de, de sujets, n'hésitez pas aussi à nous écrire pour dire bah, tiens, on aimerait parler de ça. On est aussi ouvert à vos questions pour voir un peu ce qui vous intéresse. Voilà. Exactement. Voilà. Super. Bon, ben, bon Bonne fin de journée, bon week-end prolongé. Merci alors, à, tous. Vous... A à tous. À très bientôt. À bientôt. Enregistrement.